Qu'est-ce qu'on attend pour être heureux? Qu'est-ce qu'on attend pour faire la fête? La route est dessinée, c'est joyeux fête. La joie nous guette, c'est merveilleux. Qu'est-ce qu'on attend pour être heureux? Qu'est-ce qu'on attend pour être heureux? Qui nous donne un goût, le lapin. Putain, ah ça fait du bien. Retour à la maison. Une journée exceptionnelle. Voilà. On cherchait les chanterelles. Bon, on cherche les pieds de mouton et les chanterelles. Ouais, je les ai trouvés. Merde, bon ça. Survie, coucou. On était séparés par le même été. J'ai toujours une petite vidéo. Il est quasiment dans l'armée. On va grimper là-haut. Et voilà. Caserne de l'armée. Abandonnée. Sur les sommets, côté italien, et derrière, côté français. Bon, t'as suivi les traces de ton frère? T'as enfin compris qu'il faut pas suivre les boulets? Et voilà les mecs, c'est pas compliqué, je suis au sommet du trou du diable. Bon, l'idée en fait est de photographier Saint-Martin. Allez, on va photographier ça. Bon, ben quand même, partie d'en bas là. Et cette belle montée là, une antenne, on voit bien les lacs, hein. Sacrée vue mine de rien, oh, ce lac complètement desséché, l'étendue du gland, prêt et fort, le réconfort, elle est quand même bien là, hein. Elle a pas vu. Bon. Bah, il est 6h, ouais. Petit côte de veau de la ferme, boucher local. C'est pas compliqué. Bon, aujourd'hui nous sommes le samedi 22 octobre et qu'est-ce qu'on est bien! Bon,
petite vidéo parce que je ne veux pas qu'un jour il n'y a plus d'eau. À manger là. Il n'y a pas de vent. Allez, moi aussi, tu fais la bise. Ciao, ciao. Ciao, ciao, Marilyn. Bon, mais une belle journée. On est le mercredi 26. Attention du col du Clos de Barn. Non, Barra. Voilà, nous avons élucidé le petit Prévert. Il y a une source d'eau et une petite grange. On va aller au bout de Fréma. Faut monter là. Chemin, tu passes derrière le lac là, au-dessus là, tu le vois. Et tu vas monter dans le goulet là. C'est là. Bon bah finalement, il y a une feignasse dans le groupe. J'aurais bien monté au col là. Mais bon, c'est ma faute, le boulet, ça va. Elle veut prendre le bus à 15h40. On bosse. Je te remercie. Et t'as la mienne, t'as la mienne. C'est le monstre. Ah, oui, Wayfarm. Sébastien. Tu t'appelles Sébastien? Éteins, jette un caillou. Bon, allez, on va manger la tarte aux myrtilles. Bravo, Ethan, champion du monde.
Romain, bravo aussi. Belle performance, Valérie, incroyable. Tu avais quoi alors? Une chute. Une chute. C'est 6, 7, 8, 9. Putain, j'y crois pas. Ah, et voilà. Ta mère est positive au Covid. Oh merde, tu Et voilà, nous sommes le lundi 31 octobre, c'est Halloween. Et oui, les vacances se terminent, c'est bien dommage. Ah, ça bouffe, ça chie. De la Valette, Sim de la Valette et le mont Arsas. Petite pause yaourt pour le champion du monde. 2356 mètres. On va en marche. Tac 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 tac. Ça c'est fait. Ça c'est fait. Six ans, Ethan a gravi le mont Arsas. Incroyable, du jamais vu. T'as jamais vu quelqu'un qui monte aussi très haut? Ben non. Comment t'as fait? T'es un super héros. Oui. Tu rigoles, j'arrive à voler dans les airs. Il bosse, Frankie. Il bosse. Le petit cercle vert là, c'est pour délimiter le parc. On est avec des artistes aujourd'hui. Je suis pas dans le parc. Hop! Et je suis dans le parc. Le lac des Addis. Changement de climat. Putain. Ça fait peine à voir. Le refuge des Addis. Enfin, ce qu'il en reste. C'est le refuge de la grêle. Grêler, on s'était mis, je crois qu'on peut y vivre. Est venu par là, grêler, et on s'est mis dans l'entrebâillement de la porte. On va reconstruire un refuge ici, un refuge juste à côté.